Avant l'époque numérique, les musiciens accordaient leur voix grâce à un diapason. Reconstruisons une expérience similaire avec notre smartphone, en testant par exemple si notre oreille est musicale. Vous allez écouter un son de référence, puis le reproduire en le sifflant à la bonne hauteur. Voyons maintenant en détail cette expérience. Dans le module acoustique de l'application Fifox, commençons par utiliser le générateur de son afin d'écouter un La à 440 Hz, qui sera le son de référence à reproduire. Écoutez-le bien et mémorisez-le. Voyons maintenant si vous avez une bonne oreille musicale. Sifflez le son que vous avez mémorisé et enregistrez-le avec l'expérience mesure du son. Il faut pour cela démarrer l'acquisition pour enregistrer le son, siffler, puis arrêter l'acquisition. On peut régler la durée de l'acquisition afin de pouvoir observer plusieurs motifs élémentaires. Il ne reste plus qu'à vérifier que le son a la bonne fréquence. Commencez par mesurer la période de ce son. En cliquant sur le graphique, utilisez la main pour se déplacer et zoomer. Puis choisir l'outil détail d'une mesure pour mesurer l'intervalle de temps d'un motif élémentaire. Trouvez ensuite la fréquence du son par un simple calcul. On peut faire une expérience similaire avec Fifox, avec l'expérience autocorrélation audio, qui donne directement les valeurs de la fréquence et de la période, ou alors avec l'expérience spectre audio, qui fait une transformée de Fourier en temps réel du son capté.